Voilà, eh bien, merci à chacune et chacun d'entre vous pour cette conférence donc, qui va être donnée par Pierre Mehenry et Gilles Carrez, que je salue et que je remercie pour leur présence. Voilà. Ce sont des amis politiques, mais ce sont aussi des amis, ça compte dans la vie. Merci à l'un et à l'autre, merci à leurs épouses d'être présentes. Alors, l'optimisme en matière fiscale, c'est pour l'avenir. C'est comme disait Clémenceau en parlant de Jaurès, il dit, on le reconnaît parce qu'il conjugue toujours ses verbes au futur. Voilà, il faut le dire à nos amis de l'autre camp. En tout cas, merci Pierre pour votre présence. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois député, maire de Vitré, président de la communauté d'agglomération, voilà, une carrière bien remplie. Président de la commission des finances aussi, je le rappelle. Hein, voilà. En 2002, de 2002 à 2007, Jacques Chirac était président de la République. On remercie Pierre, Frédéric en dira davantage. Merci Gilles pour votre présence, mon cher Gilles. Merci. Président actuel de la commission des finances, parce que lorsque Sarkozy était arrivé aux affaires, c'était en 2007, les commissions étaient toutes dirigées par le parti au pouvoir, par le parti majoritaire. Nicolas Sarkozy a décidé que la commission des finances, qui est la plus prestigieuse, celle qui a à voir tous les budgets de la France, pouvait être présidée par quelqu'un de l'opposition. Voilà, elle fut présidée par Didier Migaud, puis ensuite Jérôme Cahuzac. François Hollande a maintenu le dispositif. C'est donc Gilles Carrez, qui est dans l'opposition actuelle, qui est président de la commission des finances. Voilà. Il était grand maire, député, enfin, il a également de nombreux titres, une superbe carrière. Voilà. Merci mon cher Gilles. Merci à tous les deux encore. Frédéric. Merci Georges. Quelques mots pour vous présenter ce nouveau cycle de conférences, car aujourd'hui c'est un nouveau cycle de conférences que la ville est heureuse d'inaugurer en votre présence. Alors pour une première, vous conviendrez que l'optimisme, même s'il y a un point d'interrogation qui ne vous a pas échappé, c'est un bon sujet. C'est un bon sujet, mais c'est également un beau sujet, puisque c'est la question de notre avenir et c'est aussi une question d'actualité. C'est aussi un beau sujet parce qu'il est au cœur du paradoxe que traverse notre société. Si on regarde individuellement les sondages, ben les gens sont plus ou moins heureux dans leur vie quotidienne. En revanche, collectivement, on est pessimiste, on est des pessimistes convaincus, on est des pessimistes qui veulent avoir raison et on est des pessimistes aussi qui font tout pour avoir raison. Et pourtant, on sait que sans optimisme, pas de confiance, pas de croissance, pas de redressement. Alors Roosevelt, en 1929, pendant la période de la Grande Dépression, écrivait « La seule crainte, ce sont nos peurs ». Et c'est précisément parce qu'aujourd'hui, ce monde est complexe, parce qu'il existe des peurs qui sont légitimes, que nous avons souhaité qu'il y ait des moments d'échange, d'éclairage et de rassemblement comme celui d'aujourd'hui. Alors le but de ces conférences, c'est précisément d'aborder ensemble des sujets difficiles de notre société contemporaine, d'avoir une analyse et une prospective, d'essayer avec l'aide de référents, de guides, d'avoir les bonnes clés, d'avoir des repères, et puis de comprendre et de rechercher ce que seront les boussoles de demain. C'est pour ça qu'il vous est proposé, plusieurs fois, au moins deux fois dans l'année, nous allons tenter de le faire, de nous rencontrer à nouveau. Avec quel mot d'ordre ? De l'ambition. Nous aurons sans doute une prochaine rencontre avec Maître Thierry Herzog. Une ouverture, et nous sommes particulièrement satisfaits de voir qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons toute la société raphaéloise. Des retraités, des actifs, des jeunes. Donc nous avons des professions libérales, des employés, des employeurs, des salariés, donc nous avons véritablement aujourd'hui tout Saint-Raphaël qui se retrouve dans cette salle. Ce sont également des conférences que nous souhaitons interactives, donc on vous demandera un petit peu de travailler à la fin, de poser quelques questions, et nos intervenants souhaitent juste précisément avoir cette relation avec vous et pouvoir répondre à vos interrogations. Alors comme tu l'as souhaité, mon cher Georges, puisque tu as impulsé et tu as eu l'initiative de ce type de conférences. Quel est le but ? Ben de passer une bonne soirée, de se sentir bien, je dirais, autour du savoir, de la connaissance, j'utilise aussi le mot, de l'intelligence. Et je crois que si chacun d'entre nous, à la fin, en discute,
après cette réunion entre soi, chez soi, eh bien, ce sera une véritable réussite. Alors, pour en terminer, simplement un mot sur nos deux intervenants. Georges, tu as rappelé leur parcours républicain exemplaire. Je voudrais aussi dire que lorsqu'il s'est agi de nous réunir aujourd'hui et d'avoir ces invitations, c'est assez rare pour le souligner, mais il y a une unanimité. Unanimité autour de deux phrases. Ce sont des gens bien, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Et c'est unanimement qu'il y a eu ce retour. Alors Gilles Carrez, mon cher Pierre, vous faites partie des gens qui ont privilégié, qui privilégient le savoir-faire sur le faire savoir, la rigueur, vous croyez en la vérité et dans le dévouement à l'intérêt général. Donc je vous remercie, nous vous remercions d'être aujourd'hui présents, je vous remercie tous d'être présents et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, quelques mots de remerciement, parce que je m'adresse en particulier à Georges. Je suis très très heureux de venir ce soir avec Pierre à Saint-Raphaël. Et bon, avec Georges, nous avons communiqué très rapidement, tout simplement parce que Georges Ginesta a fait partie des rares, ô combien rares, chefs d'entreprise venant du privé, élus députés à l'Assemblée. En 2002, il y en avait encore quelques-uns. En 2012, il n'y en a pratiquement plus aucun, enfin, en dehors de toi, quelques rares spécimens. Et nous avons, c'est vrai, une culture que nous partageons et qui nous a rapprochés. Et je voudrais associer Pierre Méhignery parce que, Georges est ingénieur des travaux publics. Moi-même, j'ai commencé comme jeune fonctionnaire au ministère de l'Équipement. J'ai eu un formidable ministre, avec Pierre Méhignery, entre 1986 et 1988. C'est là où nous sommes connus. Je dirigeais à l'époque les villes nouvelles. Et nous avons toujours placé notre action dans le souci de construire, dans le souci d'agir. Et vous avez tout à fait raison, cher Frédéric Masquelier, je vous remercie d'organiser cette réunion ce soir, parce que vous avez dit que nous préférions plutôt faire que faire savoir. Et c'est vrai, je crois que c'est une caractéristique qui nous rassemble. Nous avons toujours préféré agir, avancer, quitte à prendre des risques, et nous nous battons aujourd'hui contre tous ceux qui empêchent de faire, qui hyper-réglementent. Et nous nous désolions, il y a quelques minutes, de la décadence de ce formidable ministère qui était celui de l'équipement, qui était le ministère des ponts et chaussées, qui a fait toutes ces infrastructures avec ses formidables corps d'ingénieurs, des travaux publics, des ponts, et tout ça, malheureusement, a disparu. Et pour moi, cette évolution de notre pays explique qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à retrouver de la croissance. Alors, il y a quelques jours, en début de semaine, l'INSEE a annoncé que notre dette publique venait de franchir les 2000 milliards d'euros. Et que l'an prochain, notre dette publique, c'est-à-dire l'ensemble de l'endettement de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, allait atteindre 100% du PIB, c'est-à-dire de la richesse que la France crée chaque année. Et donc, quand Frédéric Masquelier m'a dit qu'il fallait que je traite du sujet en le conciliant avec l'optimisme, j'avoue que je me suis vraiment creusé la tête. Mais vraiment creusé la tête. Est-ce que ça n'est pas mission impossible ? Mais pas du tout. Je vais vous présenter nos comptes publics d'une façon résolument optimiste. Alors Georges me disait, il faut que tu manies l'oxymore avec beaucoup de talent. Je vais m'y essayer. Je vais m'y essayer et je commencerai par vous dire, tout ce que je vais vous dire techniquement est juste, mais je vais le présenter de façon optimiste. D'abord, si on a 2000 milliards de dettes, c'est parce que depuis 40 ans, on est en déficit. Il n'y a pas un seul budget qui a été équilibré depuis 40 ans. Donc, puisque ça dure depuis 40 ans,
pourquoi ça ne durerait pas encore pendant 40 ans ? Après tout, bon, ça a fonctionné. N'oublions pas que c'est grâce à la dette que nous avons pu continuer à financer notre modèle social. Parce que cette dette, chaque année, quand nous empruntons, ce n'est pas du tout pour faire des investissements, pour faire un magnifique parc de stationnement, le plus beau de France, ça, je le dis toujours, de Saint-Raphaël. Oui, vous pouvez applaudir, oui. Mais, et je l'ai remarqué avant même de connaître Georges. Hein, ou bon, faire des universités, des hôpitaux. Non, 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 non. Nous nous endettons pour payer les fonctionnaires. Parce qu'à la fin du mois d'octobre, ben, y a plus d'argent dans les caisses, donc on emprunte pour payer les fonctionnaires. Quand vous achetez des boîtes de médicaments, eh bien, c'est financé par la dette de la Sécurité sociale. Donc, notre modèle social, toutes les allocations, notre niveau de vie, nos frais généraux, c'est financé par la dette. Et de ça, là, depuis 40 ans. Parce que quand on regarde, depuis 40 ans, quand nous avons eu un budget dont le déficit, c'est-à-dire l'écart entre les dépenses et les recettes, était inférieur à la fraction de recettes correspondant à des investissements. Donc, pouvant dire, puisque le déficit, on doit l'emprunter, ce n'est pas trop grave, puisqu'on emprunte pour investir. Eh bien, au cours des 40 dernières années, c'est arrivé 5 fois. Donc, pendant 35 ans, bah, on a emprunté pour financer bon, notre vie quotidienne. Donc, vous voyez, bah, pour nous, qui sommes des ménages, on n'emprunte pas pour acheter un logement, voire une voiture. On emprunte pour aller au restaurant, pour, enfin, faire nos dépenses, pour aller s'acheter des vêtements à Avenue Montaigne. Ça, je dis ça pour ma femme. Mais voilà. Donc, bon. Mais c'est ça. C'est ça le problème de la dette. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut en parler de façon optimiste ? C'est parce que ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Plus on s'endette, moins ça coûte. Moins ça coûte. Alors voilà pourquoi ça fonctionne si bien. Quand on emprunte, et je vais prendre l'exemple de l'année 2014 ou de l'année 2015, on emprunte pour deux raisons. On emprunte d'abord parce qu'il y a une différence entre les dépenses et les recettes, donc il faut combler cette différence, mais on emprunte aussi pour remplacer le morceau de dette de nos 2000 milliards qui vient à échéance, c'est-à-dire les tombées en capital. Et alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que si je prends les chiffres de cette année, 4 et quelques de déficit, 4 points de PIB, le PIB, c'est 2000 milliards d'euros. Un point de PIB, c'est 20 milliards. Donc, 4,5 de déficit, ça fait 90 milliards. Donc, on emprunte 90 milliards d'euros. Et puis, il y a plus de 100 milliards de nos 2000 milliards qui viennent à échéance. Et ces 100 milliards, alors ça, c'est extraordinaire, on les remplace par d'autres emprunts. Donc, c'est en collectivité locale, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça. Mais l'État, lui, il a tous les droits. J'emprunte pour rembourser mes emprunts. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on emprunte à 10 ans à 1,3%. 1,3%. Et on remplace par des emprunts à 1,3%, des emprunts d'il y a 10 ans qu'on a contractés à 4 ou 5%. Et on remplace même parfois, et ça c'est, bon, ça c'est un peu limite hein, du point de vue technique financier, des emprunts à long terme qui coûtent 4-5% par des emprunts à 3 mois. Et vous savez à combien on emprunte à 3 mois ? Vous savez ? En taux négatif, on nous donne de l'argent. On nous donne de l'argent. Donc, vraiment, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Et je vous donne un chiffre. Bah, Pierre s'en souvient, parce que Pierre présidait la commission des finances en 2002 et moi, j'en étais le rapporteur général à cette époque, tu te souviens, Pierre ? Les intérêts de la dette, c'était 38 milliards d'euros. Et aujourd'hui, alors que la dette a doublé, c'est seulement 43 milliards d'euros. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas continuer. D'autant que, regardez, chers amis, des liquidités dans le monde, il y en a partout. On ne sait plus quoi en faire. On ne sait plus quoi en faire. Et puis, tout le monde n'a pas envie, chère Julie, de tout placer en dollars. On aime bien l'Amérique.
On aime bien les États-Unis, mais quand même, c'est comme dit un proverbe français, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on se diversifie quand même un peu en euros. De ce point de vue-là, l'euro a bien marché. Et la France, après tout, elle a une belle apparence. Il y a une belle façade. Ben, quand on vient de Théoule à Saint-Raphaël, bon, c'est magnifique. Ça donne, ou à Paris, récemment, j'avais des amis allemands à Paris, ils étaient fascinés. La France a une très belle apparence. Et donc, beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas quoi faire de leur liquidité, des banques centrales, de pays excédentaires, notamment la Banque centrale de Chine, achètent de la dette française et à bas prix. Alors, d'autre part, je le disais, le monde entier nous fait confiance. Parce que, est-ce que vous savez quand la France a fait faillite pour la dernière fois ? C'est-à-dire, on dit pour, en termes techniques, pour un État a fait défaut. Est-ce que quelqu'un le sait dans la salle ? C'était en 1798, la banqueroute des deux tiers sous le directoire. Depuis, avec l'Angleterre, nous sommes le seul pays au monde à toujours avoir remboursé notre dette. Les Allemands, qu'on cite en exemple, ils ont fait faillite 5 ou 6 fois pendant cette période. Les Grecs, n'en parlons pas. Et donc, on a peut-être remboursé en monnaie de singe, il y avait eu des dévaluations, de l'inflation, mais on a toujours remboursé. Et donc, le monde dit, la France, c'est des gens sérieux, on continuera à leur prêter. Et puis, quand j'en discute avec mes amis allemands, je recevais là récemment des collègues allemands, avec Pierre Ménurie, on a mis en place un système, il y a une dizaine d'années, où on se voit avec les collègues du Bundestag, soit à Berlin, soit ici, et là, ils venaient nous rendre visite mardi. Et il me disait, finalement, chez nous, en Allemagne, quand même, ne croyez pas que ça aille si bien, on s'inquiète. Vous, la France, vous avez un avantage sur nous extraordinaire, vous faites beaucoup d'enfants. Et donc, nous, la génération qui est proche de la retraite ou à la retraite, ben finalement, pas de problème pour vivre à crédit. On aura tellement d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants pour rembourser qu'il n'y a pas besoin de se gêner. Alors, tout ça fait que, ça marche. D'ailleurs, il y a des hommes politiques, à droite comme à gauche, qui intitulent des ouvrages de politique, de sciences politiques, « L'exemple français ». On le dit un peu moins, mais Pierre, tu te souviens, je ne citerai pas de nom par charité, mais que de responsables politiques de très haut niveau ont parlé de l'exemple français. Donc, vous voyez, hein, je ne vous déçois pas, hein, soyons optimistes. Alors, ça veut dire que le gouvernement actuel, il a fait le choix des déficits. Il a fait, c'est un choix, alors il ne le dit pas ouvertement, mais c'est un choix des déficits. Et comme il est très optimiste, on a un président qui a comme mot favori, expression favorite, les choses finiront toujours par s'arranger. D'ailleurs, c'est une longue tradition corrézienne. Parce que souvenez-vous, plus ancien, le père Queuil, président du conseil corrézien, qu'est-ce qu'elle était son mot favori au début des années 50 ? Il disait la chose suivante, « Il n'est point de problème que l'absence de solution ne finisse par régler. » Voilà une expression parfaitement optimiste. Donc, on a fait le choix des déficits. Et je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que très clairement, l'affaire de revenir à 3% de diminuer les déficits, ça c'est pour la galerie, c'est de la poudre aux yeux. Nous allons être, jusqu'en 2017, sur un déficit public d'au moins 4 points de PIB. Et à mon avis, ce sera plutôt 4,5. Donc, chaque année, on aura 90 milliards d'écart entre les dépenses et les recettes à emprunter et s'ajouteront, alors l'an prochain, ça en est encore plus, c'est 120 milliards de tombées de dettes. Et donc, on part sur l'hypothèse qu'on trouvera nos 200 et quelques milliards sans problème. Parce que ces 200 et quelques milliards, ce n'est pas nous, hein, nous Français, qui les prêtons. On en prête un tiers, entre un tiers et 40%. 62% aujourd'hui de notre dette, de notre besoin de financement, est apporté par des créanciers non résidents, par des créanciers étrangers. Mais comme ils nous font confiance et qu'ils sont prêts à nous prêter à bas prix, parce que si on voulait emprunter auprès des Français, ça coûterait infiniment plus cher.
Parce que le paradoxe, vous l'avez dit, quand on fait des enquêtes d'opinion, la France, les Français, arrivent en degré de pessimisme juste au-dessus des Syriens ou des Irakiens, ce qui est quand même un paradoxe. Mais les étrangers, eux, pas du tout. Donc les deux tiers de notre dette sont couverts par des étrangers qui continuent à nous faire confiance. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Oui, pourquoi pas. Regardez, non mais on m'a demandé de présenter les choses de façon optimiste. Après, à chacun de juger. Puis je peux donner en conclusion la version un peu moins optimiste. Hein. Mais les impôts, par exemple, les impôts. Bon, on va continuer peut-être à les augmenter sur les plus riches. Et qu'est-ce que j'entends à la commission des finances? Même si j'ai beau leur expliquer que les plus riches, ils ont deux caractéristiques. D'abord, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, par ailleurs, ils sont très mobiles. Donc, en fait, ça se reporte sur les moyennement riches, les petits riches, et puis après les classes moyennes. Mais ce qu'on me dit quand je donne des chiffres montrant qu'un certain nombre partent, on me dit, mais pas de problème, c'est des mauvais Français. Donc, qui partent? On n'en a pas besoin. Non, mais c'est ce que j'entends constamment, parce qu'à la commission des finances, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de frondeurs. Le nid des frondeurs, il se développe hein, à la commission des finances. Alors voilà ce qu'ils me disent. Donc, pour parler de façon un peu plus sérieuse, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment au pied du mur. Et que pour la première fois dans notre histoire depuis 40 ans, il va falloir qu'on s'attelle aux dépenses publiques. Parce que nous n'avons plus de marge sur la fiscalité. On a fortement augmenté les impôts. Ça a commencé à la fin de la précédente législature. C'était des décisions de l'ancienne majorité, de l'ancien gouvernement. Et puis, ça a été multiplié depuis 2012. Et aujourd'hui, on est arrivé à cette situation bien connue où trop d'impôts tuent l'impôt. On est dans la zone de rendement décroissant de l'impôt. Et on le voit très bien sur l'impôt sur le revenu. L'an dernier, l'impôt sur le revenu a rapporté 5 milliards de moins que prévu. Et cette année, en 2014, Pierre, on va être à près de 6 milliards. Et tu te souviens, quand tu présides la commission des finances, chaque fois, on avait une bonne nouvelle, c'est-à-dire en exécution, en résultat réel, sur l'impôt sur le revenu, on avait toujours plus que ce qu'on avait prévu. Ben là, c'est le contraire. Et pourquoi? Pourquoi? Je prends cet exemple parce qu'il montre bien les limites des augmentations d'impôts. L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, il fonctionne comme ça. Il y a 1% des foyers fiscaux, il y a 37 000 foyers fiscaux en France. 1%, 370 000, payent à eux seuls 45% de l'impôt sur le revenu. 1 pour 1000, 37 000 foyers fiscaux payent à eux seuls 17% de l'impôt sur le revenu. Donc il suffit que parmi ces quelques milliers, il y en ait qui commencent à avoir des états d'âme, peut-être s'arranger, travailler un peu moins, voire aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, eh bien, tout de suite, ça entraîne une hémorragie. On a le même phénomène aujourd'hui sur nos entreprises. Donc, nous ne pouvons plus faire appel à des augmentations d'impôts. On peut peut-être rendre l'impôt plus intelligent, faire des réformes à prélèvement constant, par exemple, tout ce qui relève de ce qu'on a appelé la TVA sociale, c'est-à-dire on baisse les prélèvements, les charges sur les entreprises. Et puis, d'une certaine manière, on compense bon, en transférant un peu de fiscalité sur les ménages. Mais en dehors de ces redéploiements, il n'y a plus de marge. Donc, il faut absolument s'attaquer aux dépenses publiques. Alors, les dépenses publiques, c'est quoi? C'est quelque chose de monstrueux. C'est 1 200 milliards d'euros chaque année. Ça représente plus de 57% du PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée chaque année. Plus de 57%. Il n'y a que le Danemark qui soit au même niveau que nous. Ça se répartit de la façon suivante. Il y a 350 milliards à l'État, il y a 240 milliards sur les collectivités locales et tout le reste, plus de 500 milliards, c'est la protection sociale sous tous ses aspects. Eh bien, il faut absolument s'attaquer à ces dépenses. Et là, je vais retomber dans mon optimisme légendaire, M. Masquelier. Que fait le gouvernement? Il vous parle d'économie. Mais il tient un raisonnement extraordinairement optimiste. Il tient le raisonnement suivant. De toute façon, les dépenses, compte tenu de 40 ans d'histoire, de notre modèle social, elles ne peuvent qu'augmenter. Et donc, comme elles vont augmenter,
de 105 milliards entre 2015 et 2017, plus 105 milliards, et que je vais quand même faire quelque chose pour qu'elle n'augmente que de 55 milliards, je fais 50 milliards d'économies. C'est ce qu'on appelle les économies en tendance. C'est-à-dire que le raisonnement pour fabriquer le budget de l'État consiste à dire, je dépense 100 aujourd'hui, demain, si je ne fais rien, je dépenserai 120, et comme je vais faire quelque chose, je ne vais dépenser que 110, et donc je fais 10 d'économies. C'est génial comme raisonnement, mais ça, c'est une preuve de grand optimisme, justement. Alors, moi, à mon avis, il faut quand même, non pas être pessimiste, un peu plus sérieux, et s'engager dans une politique résolue de véritables économies, comme on le fait dans un ménage, comme on le fait dans une entreprise, comme on le fait, je suis sûr, à Saint-Raphaël, à Vitré ou au Péreux. Si on a besoin de faire une économie, c'est je dépense 100 une année, l'an prochain, je dépenserai 99. Donc, la question qui se pose dès lors, c'est comment on s'y prend. Parce que j'ai des collègues à l'UMP, nous avons des collègues, mon cher Georges, qui disent, pas de problème, 100 milliards d'économies. 100 milliards d'économies. Où on va inscrire une limite, on dépense 57% de dépenses publiques. On va mettre une limite de 50% dans la Constitution. J'ai vu ça là récemment, très récemment, 50%. Bon, moi, je leur demande depuis 2 ans, en permanence, mais comment tu t'y prends? Où sont tes économies? Et là, c'est tout le problème français. Les économies ne sont absolument pas documentées. Et quant au gouvernement, il fait des économies en tendance, comme j'ai dit, et avec une technique qui est celle du rabot. Et pire que ça, et ça, ça nous vraiment désespère, les crédits discrétionnaires, c'est-à-dire sur lesquels on a un pouvoir de décision, de faire ou pas faire, malheureusement, ce sont en général des crédits d'investissement. Et donc, lorsque les crédits d'aide médicale d'État augmentent, parce qu'on a davantage de personnes d'immigrés en situation irrégulière en France. Et donc, mécaniquement, l'aide médicale d'État augmente. On avait prévu 600 millions, ça coûte 1 milliard. Il y a 400 millions à trouver. Qu'est-ce qu'on fait en fin d'année? On annule 400 millions sur les crédits de dépenses d'infrastructures de transport. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comme ça que ça va à nouveau fonctionner cette année 2014. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que ça veut dire que, petit à petit, l'État, nous, quand Pierre était ministre, le budget d'investissement représentait 20% du budget total de l'État. Aujourd'hui, on est à 8%. À 8%, vous vous rendez compte? Et donc, de ce point de vue, il faut que nous ayons le courage de nous attaquer avant tout aux dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, c'est quoi? C'est d'abord la masse salariale. Et il faut prendre à bras-le-corps la question des effectifs de fonctionnaires. Et pas seulement des effectifs, mais également, je pense, du statut. Mais également, je pense, du temps de travail. Pour ma part, je crois que aujourd'hui, proposer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part en retraite sans poser la question du temps de travail, c'est mission impossible. Si je prends l'exemple de l'hôpital, les 35 heures à l'hôpital, ça a été dramatique, ça a désorganisé complètement l'hôpital. Donc préconiser des baisses supplémentaires d'effectifs à l'hôpital sans poser la question du temps de travail, ça ne marchera pas. Donc vous voyez que derrière ce problème qui est exprimé simplement, on ne remplace pas tous les fonctionnaires qui partent en retraite, il y a en réalité, je reste un instant sur cet exemple, des réformes profondément structurelles à faire. Je prends un deuxième exemple, mais je ne veux pas être trop long. C'est le rapport entre l'assistance et le travail. Dans ce pays très généreux, dans notre modèle social qui fonctionne bien, où personne ne reste au bord de la route, le gouvernement vient de décider d'augmenter le RSA de 2% au-delà de l'inflation, plus 2%. Et donc le RSA, alors vous me direz, c'est pas grand-chose, mais est passé à 509 euros. Ça veut dire que, si on se compare à l'Allemagne, quelqu'un qui est en assistance touche pratiquement autant que quelqu'un qui travaille au SMIC à temps partiel. Et donc, on a un modèle, surtout avec la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires que faisaient notamment des ouvriers ou des petits salaires, on a un modèle où petit à petit, l'assistance a rejoint vraiment le travail. Et ça crée d'ailleurs des effets en cascade très difficiles.
On en parlait tout à l'heure en venant en voiture avec Pierre. Si vous gagnez un peu plus grâce à votre travail, vous perdez votre allocation logement, vous perdez la gratuité à la cantine municipale, vous perdez tout un ensemble, vous perdez, par exemple, pour un retraité, un taux inférieur de CSG, etc., etc. Et donc, on a tout un ensemble d'effets de seuil qui dissuadent de faire plus d'efforts et de travailler plus. Donc là aussi, nous avons des réformes structurelles très difficiles, ça je veux bien le reconnaître, sur cette thématique assistance-travail. Et puis, il y a toutes les questions de société, mais là, c'est Pierre qui va en parler, qui sont également compliquées. Et je voudrais terminer par une chose. Nous allons avoir, je pense, des candidats, je parle des primaires, des candidats de qualité. Ceux qui se sont déclarés, je pense à François Fillon, je pense à Alain Juppé, je pense évidemment, parce qu'il va bientôt se déclarer aussi, à Nicolas Sarkozy. Pour le moment, il est très modeste et donc il en reste une toute petite responsabilité qui est celle de la présidence de l'UMP. Mais je pense que cette modestie, dans un premier temps, cache d'autres ambitions. Donc on va avoir des candidats de qualité. Et il ne faudrait pas que la concurrence qui s'engage dès maintenant soit exclusivement une concurrence de personnes. Il faut que l'on puisse bâtir des propositions et des projets. Parce que la France d'aujourd'hui, excusez-moi, là je vais rompre avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, moi je trouve qu'on est dans une situation très grave. On est dans une situation beaucoup plus grave qu'en 2012, infiniment plus grave qu'en 2007. Et si nous n'avons pas le courage, dans l'opposition, de nous obliger à réfléchir au fond à des réformes profondes, à des réformes douloureuses, eh bien, nous serons dans l'incapacité, parce que je pense que nous gagnerons, même si c'est par défaut en 2017, nous serons dans l'incapacité de les mettre en œuvre. Parce que Pierre en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'il a une expérience ministérielle à plusieurs reprises. Si on n'a pas bien préparé les choses au début, pendant qu'on est dans l'opposition, après, on n'est pas efficace le moment où on prend ses responsabilités. Donc, je termine par une note, vous voyez, optimiste, puisque je suis persuadé que nous aurons un bon candidat, nous aurons un beau projet et que nous gagnerons les élections en 2017. Les personnes qui sont debout à l'arrière, vous pouvez vous approcher, il reste encore quelques places, c'est plus confortable. Bien, cher ami Ginesta, cher Frédéric et chers amis, nous sommes là pour l'échange et je voudrais dire quelques mots auparavant à la suite de Gilles. D'abord, qui suis-je ? Je ne suis pas un apparatchik de la politique. J'ai commencé ma vie professionnelle comme ingénieur agronome sur la frontière tuniso-algérienne, puis à Bordeaux, puis à Paris. Et au bout de 8 ans, je me suis lancé dans la vie politique. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient maires de leur commune rurale depuis 126 ans en continuité. Donc j'ai assuré une certaine continuité. Et d'autre part, tu parlais, Frédéric, de Catherine Ney. Catherine Ney a dit que j'étais un homme politique un peu atypique. Elle avait dit sur Europe numéro 1, il a un sacré savoir-faire, mais un faible faire-savoir. Je crois qu'il vaut mieux avoir un sacré savoir-faire plutôt que d'un faire-savoir, tellement la politique aujourd'hui est devenue uniquement communication. Donc voilà, alors le premier titre pour moi, c'est optimiste pour l'avenir. Je le suis. Et je voudrais vous dire pourquoi. J'ai un souvenir de Gordon Brown. J'étais en 2007 avec Nicolas Sarkozy et 3 parlementaires, voir Tony Blair et Gordon Brown. Et Gordon Brown, à la fin de la rencontre, dit « Je voudrais vous poser une question ». Expliquez-moi le pessimisme français. Et Gordon Brown commence à défiler tout ce que représentait pour la France sa formidable situation.
Il disait, vous avez une démographie qui, dans les 30 années qui viennent, est un sacré plus. Vous avez encore des grandes entreprises mondiales que nous n'avons pas. Vous êtes au cœur de l'Europe. Vous avez un système de transport. Vous avez un taux d'épargne privé qui reste relativement élevé. En plus, vous avez un potentiel de loisirs dans une Europe de 500 millions d'habitants où les retraités vont être de plus en plus nombreux. Et il ajoutait, surtout ici, vous avez un climat exceptionnel. Si nous avions tout ça en Grande-Bretagne, nous serions au firmament du bonheur. Signé Gordon Brown. Je crois que ça mérite d'être réfléchi dans le climat de pessimisme actuel. Et moi, j'ai une conviction, c'est que la France a tous les atouts d'une grande nation prospère. Tous les atouts. Plus qu'aucun autre pays européen. Les a-t-elle bien exploités? Ça, c'est un autre débat. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, la troisième raison qui explique cet optimisme potentiel, c'est qu'il y a des territoires qui réussissent mieux que d'autres. Moi, j'ai été élu pendant 39 ans, toujours au premier tour. Le meilleur résultat était en 81, lorsque Mitterrand a été élu, 72% au premier tour, dans une circonscription où il y a 40% d'ouvriers. Et donc, nous avons un territoire où nous travaillons et nous essayons de mettre en... de concrétiser ce que je crois toujours, la fin du chômage en France peut être une réalité si la compétitivité est renforcée, les entreprises, si la dépense publique est maîtrisée, si l'économie de la connaissance est renforcée et si la bureaucratie recule. J'essaye de mettre en application concrètement cela, chacun de ces chapitres. Si nous avons 5,1% de taux de chômage et 44% des actifs qui travaillent dans l'industrie, pour une moyenne française de 15%, c'est que sur la compétitivité, ici j'avais un papier tout à l'heure, les chefs d'entreprise, c'est le grand titre de West France, dithyrambique sur la façon dont est gérée la communauté d'agglo de 80 000 habitants. Nous n'avons pas augmenté l'impôt depuis 12 ans. Nous sommes en écoute permanente des entreprises. Nous n'avons pas voulu de versement transport parce que nous avons des entreprises soumises à la concurrence mondiale. Nous avons mis en place une maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation où les 12 structures sont sous un même toit avec un seul directeur et pas 4 directeurs. Les résultats, bien entendu, nous les avons. Et nous avons créé et construit pour les entreprises 35 bâtiments industriels et tertiaires. Sur la dépense publique, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Sur l'économie de la connaissance renforcée, pour moi, ça a toujours été un point fort. Nos voisins suisses et nos voisins allemands disent que la France ne valorise pas l'apprentissage et la formation professionnelle. J'avais reçu un jeune, j'étais jeune député, dans ma permanence, qui voulait... Il avait un CAP du bâtiment. Il voulait devenir aide-comptable. Je lui dis, surtout pas, il y en a trop. Il me dit, monsieur Meignery, vous ne pouvez pas comprendre, vous. J'essaye de comprendre. Il me dit, lorsque vous allez au bal et que vous dansez et que la fille vous dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Et que je doive répondre, maçon, j'ai 2 chances sur toi qu'elle ne refasse pas une danse avec moi. C'est vrai, c'était il y a 25 ans. Mais moi, ça m'avait frappé. Et après, avec les chambres de commerce et les chambres d'industrie, lorsque nous avons fait un campus, j'étais président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, un campus à 10 km de Rennes, avec une douzaine d'écoles d'ingénieurs. Nous avons, au milieu de ces écoles d'ingénieurs, regroupé tous les centres de formation d'apprentis au cœur du campus, alors qu'ils étaient dans des bâtiments préfabriqués en périphérie. Et nous avons décidé de l'appeler « faculté des métiers ». Pour un jeune, dire « je suis à la faculté des métiers », c'est valorisant vis-à-vis de sa copine. Eh bien, que n'ai-je pas reçu quelques jours après de l'université très progressiste de Rennes 2 une lettre me disant « monsieur Meignery, si vous osez appeler un centre de formation d'apprentis faculté des métiers, c'est vraiment, vraiment que vous voulez humilier l'université française ».
vous voyez un peu ce système élitiste, aristocratique, qui classe les gens au lieu de valoriser les compétences et les personnes. Et moi, j'estime que la formation professionnelle, c'est une faiblesse en France dans un système trop élitiste. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on voit 140 000 décrocheurs qui quittent le système scolaire sans rien, nous allons mettre au 1er janvier en place une section de la Fondation d'Auteuil de façon à reprendre les jeunes décrocheurs, de leur donner confiance en l'avenir, de leur donner une formation professionnelle, mais aussi une façon d'être. Donc voilà, moi je dis, en France, regardez bien, il y a des territoires qui réussissent. Lorsque vous voyez la Vendée, qui n'avait pas d'atout particulier, la réussite de la Vendée, vous devez comprendre qu'il y a un problème culturel. J'ai oublié de dire que je suis breton, pas vendéen, mais nous avons des caractéristiques communes. Voilà donc le premier point. Le deuxième point, Alors pourquoi ce pessimisme et cette perception du déclin ? Je dis bien, tout n'a pas été fait dans le passé, mais il y a deux chiffres que vous devez avoir en tête et qui expliquent 80% de nos difficultés. 616 heures, c'est quoi ? C'est le nombre d'heures d'actifs de travail par habitant en France. Parce que plus vous avez de personnes âgées à la retraite, plus vous avez de jeunes aux études, il faut que les actifs travaillent. Nous sommes en France, avec le système des 35 heures, et certains font 32 heures, à 616 heures, contre 690 dans la moyenne européenne. Et tenez-vous bien, les pays scandinaves, pour garder leur état-providence et en même temps une politique de l'emploi, sont à plus de 720 heures par habitant. Deuxième chiffre qui explique nos difficultés, c'est 6,1 de plus pour nos dépenses sociales au cours des 20 dernières années. Et la moyenne des pays européens est à 2,4. Ça fait 80 milliards d'euros. C'est une partie importante de ce que Gilles Carrez aimerait pour réduire les déficits. Donc voilà un peu le premier point. Et nous n'avons pas su corriger à temps. Je défendrai tout à l'heure. Nous n'avons pas su corriger à temps certaines faiblesses, nos dépenses sociales, les 35 heures, surtout dans la fonction publique, et nous devrons le faire coûte que coûte. J'ai un chiffre qui fait réfléchir. Les exportations de l'Europe vers la Chine démontrent notre niveau de compétitivité. L'Allemagne exporte 45% des exportations européennes vers la Chine, nous, uniquement 10%. Tenez-vous bien, si nous n'avions pas 80 milliards de déficit commercial, nous aurions plusieurs centaines de milliers d'emplois en plus. Et deuxième réflexion que je mets, c'est la flexibilité et les rigidités en France. Et je prends quelqu'un qui n'est pas de ma sensibilité politique, mais très proche sur le fond, c'est Pascal Lamy. Pascal Lamy dit « La flexibilité demeure en France un tabou, hein, aussi bien les seuils que tout ça. Je préférerais qu'un chômage à 11% soit un tabou en France. » Donc, c'est le deuxième point. Et le troisième point pour moi qui explique nos faiblesses, c'est que tous les systèmes centralisés dans le monde rendent l'âme l'un après l'autre. Et nous avons un système beaucoup trop étatique et beaucoup trop centralisé. L'État gère mal. J'ai été ministre de 11 ans. Il gère de loin et il est faible. Je vous donne un cas concret. Gilles le sait. J'ai été ministre de la Justice pendant 2 ans et 1 trimestre. Pendant cette période, je reçois les surveillants de l'administration pénitentiaire ou les syndicats de l'administration pénitentiaire. Ils ont la retraite à 55 ans. Ils voulaient, comme la police, avoir la retraite à ce moment-là à 50 ans. Je leur dis, mais est-ce que vous avez vu encore les couvreurs sur le toit à 60 ans ? Et vous me demandez la retraite à 50 ans ? J'ai dit, non, jamais, je ne peux pas. Moi, je vois chez moi, dans les 3-8, les ouvriers travailler jusqu'à 60 ans, et vous me demandez la retraite à 50 ans.
Toutes les semaines, il venait place Vendôme, sous mes fenêtres, « Mais Inri, salaud, on aura ta peau ». Ils l'ont eu, en effet. Trois semaines après le changement, qu'est-ce que je vois ? Mon successeur leur accorde la retraite à 50 ans. Je lui dis, je le connais bien, je ne cite pas son nom ici. Je lui dis, mais écoute, où est l'intérêt général ? Et vous savez ce qu'il me répond ? Pierre, j'avais envie d'avoir la paix. Donc voilà, c'est le problème de l'État, quel que soit le pays, l'État gère mal, il est faible et il gère de loin. Et donc, à mon avis, c'est un des trois problèmes qui explique nos faiblesses. J'écoutais, comme vous peut-être hier soir, le débat Juppé, que j'aime bien, et la contradiction que lui portait Le Guen. Et Le Guen disait, vous nous avez laissé une situation catastrophique. Voyez la dette. C'est vrai. Simplement les mêmes. J'étais président de la commission des affaires sociales et tu le sais, c'est ça. Ils nous demandaient sans arrêt qu'on n'en faisait pas assez pour la relance. Il faut savoir que c'est la relance que nous avons faite a provoqué la dette. Deuxième argument, l'emploi. Nous avons eu une crise très sévère. L'emploi a chuté en France comme partout. Mais en 2010 et 2011, nous avions retrouvé 300 000 emplois et une croissance de 2%. Et donc, vous voyez bien, quant au pouvoir d'achat, dans cette période, la France, dit une revue de gauche, qui s'appelle Alternative économique, figure parmi les pays en Europe qui ont maintenu et accru le pouvoir d'achat. Mais la face de cela, ça a été la dette. Et ça a été une certaine perte de compétitivité. Donc, on sait exactement ce qu'il faut faire. Et je pense que nous avons du travail. Faut-il le faire demain en brutalisant, en regroupant des deux chocs l'un contre l'autre ? Je ne le crois pas. Mais je crois plus à un Premier ministre qui saura réformer s'il apaise. Je n'en dis pas plus. J'entrerai dans une campagne électorale. Et la deuxième partie, c'est tout s'aggrave depuis 2 ans. Pourquoi ? Le discours de 2012 a cassé la confiance des entreprises. Dire l'ennemi, c'est la finance, on en a besoin. Je crois que ça ne nous a pas beaucoup aidé. Et dire 75%, quand vous voyez les sièges sociaux qui quittent la France, je ne crois pas que ce soit profitable au pays. Il y a eu des réformes dangereuses. J'en cite une du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est la loi Allure, dite Duflot. Mais je crois qu'il y a un homme de qualité qui a tout résumé en parlant de Madame Duflot. C'est Cohn-Bendit. C'est souvent intéressant ce qu'il dit. Cohn-Bendit, parlant de Madame Duflot, a dit ceci. Elle représente l'irrésistible légèreté de l'arrivisme. Pas mal dit, hein ? On peut le redire, mais ça montre une forme politique qu'on peut condamner, je n'en vois pas. Il y a un autre point. Moi, je défends, comme Gilles, vis-à-vis des collectivités locales, l'idée que nous devons dépenser moins et faire mieux. Je dis bien dépenser moins d'argent public et faire mieux. C'est sacrément difficile. Mais l'État fait exactement l'inverse. Moi, président de Vitré Communauté, je peux lancer 100 millions de travaux dans les 3 mois et économiser 1 million d'euros. Mais alors, avec les normes, on n'en finit pas. On n'en finit pas. Il y a l'étude de la faune et de la flore. L'étude de la faune et de la flore, 4 saisons. Il faut attendre 18 mois. Et puis après, vous avez l'étude des zones humides. Et puis après, des plantes hygrophobes. Et puis après, de l'archéologie. Nous avons, sur une zone industrielle, lancé l'archéologie, nous, les travaux archéologiques. La conclusion était ceci. Ma femme a fait des études d'archéologie, elle a lu le rapport aussi. Conclusion du rapport, il y a des couleurs de terre différentes.
coût 600 000 euros. Ils veulent recommencer à 4 km. Alors on a dit non, certainement pas. Et vous allez menacer une entreprise. En plus, c'est Intermarché qui va racheter GAD, un abattoir dans le Morbihan. Le préfet, dans sa sagesse, dit il n'y aura pas de travaux archéologiques puisqu'ils ont été faits à 3 km, c'est la même terre. Le ministère de la Culture, là-haut, très loin, directeur de cabinet, dit et ordonne, contre la décision du préfet, des travaux archéologiques. C'est dingue. Alors, si vous n'avez pas lu, il y a un rapport remarquable. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Liberté, égalité, dépoussiérage. Alain Lambert est le maire du Mans, c'est-à-dire un élu socialiste et un élu UDI. Que dit ce rapport ? La France s'est abandonnée à une sorte de délire normatif. D'un état de droit, nous sommes passés à un état de paralysie par le droit. Le devoir et l'abus du devoir de mémoire archéologique peut parfois obérer le devoir d'avenir. Systématiquement, toutes les directives européennes sont durcies par les administrations centrales. Quand j'ai vu ça, parce que ça menace 300 emplois dans une entreprise, j'ai téléphoné à Alain Lambert, qui est le président d'une association des normes. J'ai téléphoné il y a 8 jours. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. On m'ajoute sans arrêt des dépenses supplémentaires. Il dit, Pierre, je suis président, je suis désespéré. Les administrations centrales reviennent sans arrêt avec des nouvelles normes supplémentaires. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, si je peux donner un conseil, le seul moyen pour être écouté, c'est de venir avec 300 ouvriers dans la cour de Matignon et les 46 élus de Vitré Communauté. Ils commenceront à entendre. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Et on le disait parce que nous avons été ingénieurs les uns et les autres sur le terrain. L'ancien ministère de l'Équipement aujourd'hui ne fait plus que du contrôle. Pour justifier sa raison d'être, comme il y a de moins en moins d'argent public, il y a de plus en plus de contrôles et de réglementations qui s'additionnent les unes aux autres. Donc voilà pourquoi je dis l'empilement des normes. Alors que doit-on faire pour s'engager sur un chemin d'espérance ? Quand on est passionné, il faut boire un peu. Ce n'est pas dans l'ordre, mais ça ne fait rien. Moi, je dis, il faut d'abord dire la vérité. En disant la vérité, c'est déjà résoudre 50% de problèmes. Quels sont les hommes politiques qui diront que dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, il ne peut pas y avoir d'exception française qui permette tout à la fois d'avoir le départ à la retraite plus tôt, les 35 heures, l'État-providence le plus développé et en même temps le plein emploi. Ceux qui ne disent pas la vérité mentent à l'opinion publique. Je pense que c'est le point. Nous avons à faire face à 3 enjeux, chers amis. La mondialisation, elle est incontournable. Elle a permis de sortir de la pauvreté plusieurs centaines de millions d'habitants. Ils n'attendent pas les décisions françaises pour changer. Et le seul moyen de faire face à la mondialisation, c'est de faire comme nos voisins allemands ou suisses, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises et par là même de descendre les prix. Le deuxième point, deuxième enjeu, le vieillissement, c'est une formidable chance. Nous avons gagné en une génération près de 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Mais il a un coût. On ne peut pas travailler 35 heures. Le vieillissement est une formidable chance, mais un coût qu'il faut avoir et regarder en face. Et le troisième point, je n'y reviens pas, c'est la mutation technologique. Ensuite, je dis réduire les blocages, combattre la démagogie et combattre les mots salive en France. Les mots salive, dès qu'on prononce le mot capital, dès qu'on prononce le mot dividende, dès qu'on prononce le mot OGM, on a appris à faire saliver les gens, alors qu'il faut faire réfléchir. Je suis ingénieur agronome, il y a des OGM qui ne servent à rien. Mais refuter tous les OGM et tous les travaux des biotechnologiques, c'est se condamner à ne pas être une grande nation agricole dans 20 ans, faute d'avoir dit la vérité.
mobiliser les énergies, bien sûr, et puis motiver les hommes. On ne peut pas garder l'ISF tel qu'il est, sinon on verra les capitaux partir. Alors, nos voisins disent que les Français, plus que tout autre pays, chérissent les idées et boudent les faits. Il y a toute une partie de notre opinion publique qui, tout à leur idéologie, font leur cette citation « Ne regardons pas les faits, ils ne nous apprendraient rien ». C'est un véritable problème culturel en France. Et je me rappelle du livre d'Alain Perfitte qui raconte que le général de Gaulle, allant à l'école normale supérieure, un certain nombre de professeurs lui refusent de lui tendre la main, appelant le général de Gaulle un dictateur. Et les mêmes, lorsque Staline est mort, avaient un crêpe noir plusieurs jours autour de l'église. Ça veut dire qu'il y a toujours dans ce pays, quels que soient les faits, une espèce d'idéologie qui ne regarde pas les faits, mais qui est tout à leur idéologie et qui font leur cette citation « Ne regardons pas les faits, ils ne nous apprendraient rien ». C'est un problème culturel. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste n'est pas devenu un parti social-démocrate, parce qu'il a une aile différente. J'étais président du groupe centriste pendant que Rocard était Premier ministre. Nous soutenions les deux tiers du temps Michel Rocard dans ses réformes. Nous étions critiqués par le RPR à l'époque, assez fort. Au bout de 10 mois, Michel Rocard est venu dans mon bureau et dire « Pierre, ne me soutiens plus. J'ai trop de problèmes à l'intérieur du Parti socialiste. » 20 ans après, le problème est toujours le même. Nous avons un parti qui est dans une gauche néo-marxiste et puis un parti social-démocrate avec qui, comme l'Allemagne, on pourrait faire un jour des alliances pour réformer la France. Mission impossible dans la situation d'aujourd'hui. Alors ensuite, j'arrête bientôt. Moi, je dis, un homme politique doit défendre des valeurs. Lesquelles ? Moi, j'estime qu'on ne gère pas un pays avec une boîte à outils, mais avec des valeurs qui font de l'action politique. Et pour moi, les valeurs auxquelles je suis attaché, c'est des valeurs associées. La liberté, mais la responsabilité en même temps. L'individu, mais pas sans la communauté. Et je pense que ce sont des valeurs, pour moi, la plus importante, la valeur clé, c'est la responsabilité individuelle. C'est celle qui fait le succès des grandes nations. Et souvenez-vous d'un député du Soviet suprême, après la chute du mur de Berlin, montant la tribune du Soviet suprême, dit « Notre peuple aimerait bien avoir le pouvoir d'achat et la liberté des peuples de l'Ouest, mais ce sera long et difficile parce qu'il faudra réapprendre à notre peuple ce qu'est l'initiative individuelle et la responsabilité. » Je crois que c'est très juste. Et un deuxième élément pour vous convaincre, moi j'ai été victime, comme d'autres peut-être dans cette salle, d'un triple pontage. Et pendant cette période, un homme qui était député-maire d'Angoulême, Georges Chavannes, m'envoie une étude épidémiologique faite aux États-Unis sur 2000 pontés suivis pendant 15 ans par rapport à 2000 non-pontés. Conclusion de cette étude, l'espérance de vie des pontés est supérieure à l'espérance de vie des non-pontés. Alors, dans les réunions, les gens me disent « Mais c'est normal, une nouvelle tuyauterie dure plus longtemps qu'une ancienne tuyauterie. » Eh bien, tous les médecins vous diront que celui qui a été soumis à un tel choc fait ensuite beaucoup plus attention à sa propre responsabilité personnelle. Et je crois que c'est pareil en économie et c'est pareil en politique. La vertu des grands peuples, c'est l'esprit de responsabilité personnelle. Et moi, j'aimerais que la droite et le centre, pour convaincre, est une base doctrinale. Il faut que tu me dises quand j'arrête. Hein. Une base doctrinale. Et moi, si je cherchais certains philosophes qui fondent cette base doctrinale, j'en retrouverais 5. Tocqueville, de la démocratie en Amérique, le principe de subsidiarité. Ne pas faire au niveau supérieur ce qui peut être fait mieux
et à moins cher au niveau inférieur. Deuxième élément, compte tenu de ma tradition démocrate chrétienne, Mounier. L'individu, oui, mais à condition qu'il y ait une interaction avec la communauté en permanence pour éviter l'égoïsme individuel. Le troisième, c'est Schumpeter, le processus de destruction créatrice. Pour que la vie naisse, il faut accepter la mort. J'ai dit ça devant 1000 salariés licenciés de Mitsubishi dans ma ville sur la place du Château. J'étais presque applaudi quand même pour dire que nous avions les moyens de réindustrialiser le site et nous l'avons fait. Mais c'est important. Le quatrième philosophe, c'est Raymond Aron, face à Jean-Paul Sartre. Raymond Aron, devoir de vérité. Et je me rappelle, enfin je ne me rappelle pas, mais j'ai lu que Jean-Paul Sartre, revenant du RSS, a dit ceci, j'ai vu l'homme nouveau. Il faut voir la corruption aujourd'hui en Russie, que l'homme nouveau n'a pas duré longtemps. Et puis le dernier point, c'est Rawls, moins connu en France, qui différencie les inégalités inefficaces, les rentes, des inégalités efficaces qui font monter l'ensemble de la société. Je crois que nous avons besoin de ça. Et puis redéployer le modèle social, bien sûr. Nous avons avec Gilles, j'ai reçu 3 délégations quand j'étais président de la commission des affaires sociales qui venaient parler du système social français. Il y avait les Turcs, les Japonais et les Tchèques. Et ils venaient voir le système social français. Et ils ne voulaient comprendre que le système familial, parce qu'ils estimaient que notre taux de natalité, la politique de l'enfance, elle était remarquable. J'essayais de leur dire aussi quelle était notre politique d'assurance maladie, notre politique sur les prestations sociales, et ça ne les intéressait pas. Ça me fait penser à une phrase d'une rencontre d'un journaliste avec le Premier ministre de Singapour. Singapour, c'est le pays dont le revenu a le plus progressé dans les 40 ans. Et le journaliste demande au Premier ministre de Singapour, qui s'appelle Lee Kuan Yew, comment expliquez-vous votre succès ? Il dit, moi, je copie ce qu'il y a de mieux dans tous les autres pays. Il dit, pour l'école primaire, c'est Israël. Pour l'université, c'est les États-Unis. Pour la France, ce sont les musées. Mais le journaliste lui dit, mais la politique sociale en France et l'État-providence, c'est un modèle. Et le Premier ministre de Singapour répond, oh là là, tout ce qui est gratuit est consommé avec voracité. C'est intéressant pour nous. Voilà. Alors, combattre le chômage, combattre les inégalités, pour moi, c'est un point important. J'ai aimé le débat hier d'Alain Juppé, parce qu'il a répondu à ce besoin de considération des hommes. Même quand il était attaqué par une personne qui vivait dans son monde, il a répondu avec beaucoup d'humanisme et il pense, comme moi, qu'après le pain et l'eau, le plus grand besoin de l'homme et de la femme, c'est le besoin de considération. Et j'ai toujours dit, attention, dans les conflits que l'on voit aujourd'hui, l'humiliation collective, c'est la nitroglycérine de la politique. Et ça, le besoin de considération, donner des responsabilités aux gens et vous les changer, c'est ce que disait Xavier Fontanet. Alors, je termine par une citation, c'est fini. Allez, parti. C'est Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je crois que c'est de vous, de nous tous, les clés de l'avenir, ce n'est pas l'État, c'est nous-mêmes. Merci d'avance. On vous propose, bien entendu, de poser quelques questions, si vous le souhaitez. Donc, il y a 2 personnes qui vont passer de part et d'autre des allées pour vous donner un micro. Donc, si vous souhaitez poser quelques questions à nos intervenants,
qui eux-mêmes le souhaitent, ou faire des observations, ou donner votre avis, ou débattre. Il y a mademoiselle au milieu. Mademoiselle au milieu, là. Étudiante en droit, le thème de ce soir m'intéresse. J'ai donc préparé quelques questions. L'État peut-il être en faillite ? Y a-t-il des scénarios catastrophes en études à Bercy ? Si oui, quels sont-ils ? Et quelles seraient les conséquences concrètes d'un défaut de paiement ? Alors, un État peut-il faire faillite ? Peut-il faire défaut ? En fait, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est qu'il a des difficultés pour se financer. Parce que, comme il a un écart entre ses dépenses et ses recettes, il faut qu'il puisse emprunter, et il a des difficultés croissantes. Ça se traduit par une augmentation des taux d'intérêt. Par exemple, l'Espagne et l'Italie, en 2008, ont connu des augmentations de taux d'intérêt considérables. Les Espagnols, jusqu'à la fin 2006, début 2007, empruntaient à 3%, et en 2008, c'était passé à 8%. Et donc, ces tensions sur les taux d'intérêt posent immédiatement d'énormes difficultés budgétaires. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais si les taux d'intérêt, au lieu d'être à 1,5%, passaient à 2,5%, ce qui est bas, c'est-à-dire un point de plus en France, ça nous coûterait immédiatement 5 milliards d'euros, l'équivalent du budget du ministère de la Culture. Et puis, dans un deuxième temps, il peut se produire, ça n'a pas été le cas pour l'Italie, pour l'Espagne, mais ça a été le cas pour la Grèce, malgré des taux d'intérêt qui s'envolent dans des proportions extraordinaires, parce qu'il y a toujours des prêteurs, par exemple des hedge funds, qui vont prêter à des taux usuraires à 15-20%. Malgré cela, plus personne ne prête. Et là, l'État est obligé de constater qu'il ne peut pas, il peut pas se rembourser. Il ne peut pas rembourser sa dette. Parce que dans les éléments de dépenses pour lesquels il doit pouvoir emprunter, il y a d'abord le remboursement de la dette qu'il a contractée dans le passé. Et là, on débouche sur le cas de l'Argentine. Et le cas de l'Argentine, il doit nous faire réfléchir. Parce que ce pays, au sortir de la dernière guerre, était un des plus riches au monde. Ils ont eu une gouvernance publique vraiment très, très médiocre, avec beaucoup de corruption, de mauvais choix. Et finalement, ça s'est terminé en 2000 par une faillite et l'impossibilité de rembourser. Et aujourd'hui, du fait que le pays, concrètement, n'a pas été en état de rembourser sa dette, ils sont dans l'incapacité de se financer sur les marchés extérieurs. Et ils sont dans une situation vraiment de régression totale. Alors, en Europe, nous avons eu le cas de la Grèce. La Grèce a été soutenue par les autres pays européens, par des mécanismes de solidarité, mais la Grèce a été contrainte et est contrainte aujourd'hui de faire des ajustements, on appelle ça des ajustements structurels, et elle a perdu une partie de sa souveraineté. Elle a été obligée, par exemple, de licencier des centaines de milliers de fonctionnaires, de diminuer les retraites, de toutes sortes de décisions, et qui font que son niveau de vie a brutalement diminué. Donc l'hypothèse de la faillite pour notre pays, moi, me paraît aujourd'hui exclue. Mon pronostic, c'est que dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, probablement même à l'horizon de la fin de cette législature, la France continuera de pouvoir emprunter dans de bonnes conditions. Et donc, il ne se passera pas grand-chose. Mais avec la politique américaine de resserrement monétaire, puisque les États-Unis, pour relancer la croissance, toutes ces dernières années, ont une politique de création de dollars en grande quantité. Mais la réserve fédérale américaine est en train de réduire cette politique. Donc les taux d'intérêt sont en train de remonter aux États-Unis.
À partir du moment où on va avoir un différentiel de taux d'intérêt vraiment substantiel entre les États-Unis et l'Europe, et bon, tous les spécialistes que je consulte sur ce sujet me parlent du milieu de l'année prochaine, on va avoir une remontée de taux d'intérêt en Europe et peut-être plus particulièrement dans notre pays. Mais ça pourrait être surmonté. En revanche, je pense que à un horizon de 3-4 ans, nous allons avoir un vrai problème d'ajustement et on trouvera certainement des prêteurs parce que nous sommes aussi, je réponds un peu longuement à votre question, mais elle est très importante. Nous sommes aussi complètement arrimés à l'Europe et en particulier à l'Allemagne. Et s'applique à notre pays l'expression qu'on prend pour de très grandes banques par rapport au risque systémique, « too big to fail ». Donc, il est inenvisageable aujourd'hui que l'Europe, à commencer par l'Allemagne, puisse accepter un défaut de la France. Donc, toutes sortes de mécanismes seront mis en œuvre. Mais ces mécanismes ne seront mis en œuvre qu'à partir du moment où nous serons contraints de faire des ajustements de baisse de dépenses. Et au lieu de les décider nous-mêmes, ce sera en fait la Troïka qui nous les imposera. La Troïka, c'est quoi ? La Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et puis la Commission Européenne. Et c'est vraiment ce qui nous guette si nous ne sommes pas capables de prendre notre destin, de regarder en face les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais la faillite elle-même, proprement dite, le défaut, comme ça s'est produit pour l'Argentine, je n'y crois pas, en tout cas, bon, je n'y crois pas à un horizon d'une dizaine d'années, je n'y crois pas en ce qui concerne notre pays. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Jean Wicombe, ancien notaire. Vous avez été mon patron pendant 2 ans et quelques, et je vous remercie pour cette période. Je voulais vous demander ce que vous pensez du projet de réforme pour notre profession en particulier et pour d'autres en général. Merci. La façon dont ça a été abordé, c'est le meilleur moyen pour couler une opération, si on voulait faire l'opération. Donc, le fait de noter dans les médias telle profession me paraît être une bêtise qui n'aboutira nulle part. Moi, s'il y a problème dans certains taux, il faut le regarder. Mais le meilleur moyen de le regarder, c'est dans un certain silence pour faire avant de proclamer des grandes déclarations. Donc voilà, on a besoin de ces professions. Les montrer du doigt, c'est le plus mauvais système, parce que chacun se met en situation de butoir. Voilà. Donc je n'aurais certainement pris cette période. Moi, quand j'étais ministre de l'équipement, relancé la construction. Elle était descendue à 280 000, nous sommes montés à 400 000. Mais la façon de faire compte autant quelquefois que le faire. Et sur ce plan, je pense que j'ai remis en question ce qui était vraiment une rente, la loi de 48. La loi de 48, c'était des personnes, génération après génération, pouvaient rester dans des immeubles avec des prix bloqués à 600 euros par mois pour un 250 mètres carrés dans le 16e arrondissement. On a supprimé la loi de 48. De façon à fluidifier le marché. Ça ramortait, mais ce n'était pas facile. Je vois encore la lettre d'une dame qui m'envoie cette lettre, je ne sais pas si je l'ai gardée, qui me dit, je ne sais pas quel thème était, mais c'était peut-être mon salaud. Si je te vois sur le trottoir à pied et que je suis en voiture, je ne te raterai pas. Bon, ça veut dire que quand on fait des textes, mais on ne brigue pas et on ne met pas la population en jeu comme ça. Je voudrais
vous dire deux, trois mots, parce qu'il se trouve que, comme président de la commission des finances, bon, je suis un peu les dernières négociations s'agissant de la profession du notariat. Je ne parle que du notariat. Tout l'aspect juridique, sécurité, acte authentique est maintenant reconnu, et votre profession a le soutien de la chancellerie, très clairement. Madame Taubira s'est exprimée, et Madame Taubira, on peut estimer qu'elle a tout faux sur beaucoup de choses, mais quand elle prend un dossier en compte, je peux vous dire que c'est difficile de la faire décrocher. Elle a, de ce point de vue, une certaine autorité. Et donc, pour elle, cet aspect de la profession ne peut en aucun cas être remis en cause. À partir de là, moi, je pense, je l'ai dit là récemment au président du Conseil supérieur, à M. Tarade, qu'il faut que votre profession fasse des propositions. Et il y a deux sujets sur lesquels je sens, de l'autre côté, enfin, les pouvoirs publics, c'est maintenant M. Macron qui a en charge le dossier, je les sens sensibles. C'est, d'une part, le nombre des notaires, parce qu'ils ont des remontées selon lesquelles les jeunes ont du mal à accéder à la profession de notaire, notaire assistant ou autre, et il faudrait élargir le nombre. Et le deuxième sujet porte sur des questions de tarification d'un certain nombre d'actes, mais ne serait pas remis en cause la tarification des actes immobiliers, qui, la qualité de la profession est quand même tout à fait reconnue. Donc, dans ce genre de situation, il ne faut pas camper sur des positions complètement bloquées. Il faut faire des propositions à l'État, parce que, comme le disait très justement Pierre Méhaignery, il faut que chacun puisse sortir de là sans avoir été, en quelque sorte, humilié, ou sans avoir le sentiment d'avoir perdu la partie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'apparemment, les contacts sont maintenant repris. Enfin, c'est ce que me disent vos instances, les instances qui vous représentent. Les contacts sont repris avec l'État. Autre question. Oui, bonjour. Charlotte Meyer-Favelier, je suis notaire assistante et normalement, je vais bientôt passer notaire salarié. Je rebondis donc sur ce que vous veniez dire par rapport au nombre de notaires. Ma question n'était pas concernant le notariat, mais par rapport à ce que vous aviez dit au début, concernant le fait que les Français trouvaient qu'ils payaient trop d'impôts. Certains pays en Europe paient de l'impôt également, mais je trouve que le problème également en France, c'est une question de montant peut-être, mais c'est aussi une question de compréhension par les Français de l'impôt. Donc on a la Cour des comptes qui permet de dire si oui ou non les fonds ont été bien investis en ce qui concerne l'État, j'ai l'impression qu'il nous manque les explications sur comment sont employés les fonds en France, et également un système vraiment très complexe où même à mon niveau, j'ai du mal à comprendre certains impôts, tellement c'est complexe. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison. Je réponds très rapidement sur deux points. C'est vrai qu'il faut insister davantage sur ce à quoi sert l'impôt. En fait, l'impôt est la conséquence de la dépense. C'est parce qu'il y a besoin d'exercer de façon collective un certain nombre de missions, de mettre en place un certain nombre de services, qu'on est conduit à mettre en place des impôts. Et le consentement à l'impôt qui a conduit à la création des premiers petits parlements dans notre pays au Moyen-Âge, le consentement à l'impôt a été la conséquence de la nécessité de mettre en commun des moyens, par exemple pour la sécurité, pour la justice. Dans toutes les villes franches qui sont développées au XIIe, XIIIe siècle, on a créé des parlements pour consentir à l'impôt. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'insiste pas assez sur un aspect quand même vertueux de l'impôt, c'est que ça doit servir. Mais de ce point de vue-là, il faut, on vient de le dire, il faut être vraiment intransigeant à l'égard des gaspillages. Et on ne l'est pas assez. La deuxième remarque, c'est sur les modalités de l'impôt. Si je prends l'impôt sur le revenu, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et il est rendu très compliqué, notamment par toute la problématique des niches fiscales. Et moi, je préférerais un impôt à assiette large, sans aucun trou, sans exception, sans dérogation, donc c'est parfaitement clair, avec deux ou trois taux, un taux d'ailleurs, au passage, un taux très bas, à 2 ou 3%, parce que j'estime
que le lien fiscal fait partie du lien de citoyenneté. Et que avoir des concitoyens qui ne payent pas du tout d'impôts, c'est extrêmement négatif. On le voit dans nos communes, ceux qui payent aucun impôt local, complètement exonérés de taxes d'habitation, sont ceux souvent qui demandent le plus, parce qu'ils ne participent pas au paiement de la facture. Donc un impôt que paye tout le monde, même très modestement, avec 3, peut-être 4 tranches, et puis aucune dérogation à une assiette très large. Et là, je pense que les Français comprendraient mieux, parce que le consentement à l'impôt, c'est aussi la base de la démocratie. Encore 10 minutes, et on regroupe 4-5 questions, me dit Jacques Georges. Jacques Fraisse, ancien chef d'entreprise. On les regroupe, hein. Ah, pardon. Oui, oui, allez-y. Pardon. Ah ben moi, j'ai la solution. Compétitivité. Vous allez la voir. Regardez bien ces tableaux. Ça veut dire que d'autres territoires... Moi, j'ai toujours dit la priorité, c'est l'emploi depuis 35 ans. Nous avons le deuxième plus bas taux de chômage de France. Le problème de la France, c'est, comme vous le dites, la désindustrialisation et la production. Nous avons 44% qui travaillent dans l'industrie. Et pourquoi avons-nous plus 20% d'emplois industriels au cours de ces 25 ans, alors qu'ils ont baissé de 40% en France? Et même pendant la crise, nous avons continué à créer des emplois. Je continue. Vous pouvez venir dans le pays de Vitré, hein, s'il y a moins de soleil. Mais... paye pas trop. L'inquiétude, c'est le pouvoir d'achat des gens. Malgré un bassin industriel, nous sommes maintenant le deuxième zone d'emploi de Bretagne, avec les salaires moyens bruts par tête. Mais nous, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de salariés qui travaillent au 3-8. Donc, ça augmente le salaire moyen. Donc, il faut bien voir que l'industrie paye mieux. Et la productivité. Et la productivité. L'industrie paye mieux, il y a moins de temps partiel en service. Mais quand je vois les troubles musculo-squelettiques, ils ont triplé depuis les 35 heures. Car les ouvriers, pour moi, ont été les seuls à payer les 35 heures par l'augmentation des cadences. Donc les 35 heures, finalement, ont été profondément injustes. Je continue. Nous avons des taux inférieurs de 20% vie et nous avons la gratuité du transport. Ne regardez pas la dernière ligne parce que ce n'est pas un modèle. Je parlais tout à l'heure de Singapour. Mais pourquoi? Parce que nous avons un secteur sauvegardé avec 7200 scolaires dans la ville et le problème du matin et du soir était terrible, avec des rues étroites. Donc nous avons essayé le transport collectif gratuit, non pas pour la gratuité, mais parce que c'était un moyen d'éviter l'arrivée des voitures, des familles, le matin et le soir. Donner à nos enfants le maximum de chance, ça je crois que c'est important. Nous avons un taux de réussite au bac de 99%. L'accès à la culture et au sport. Je termine parce que ma femme me fait les gros yeux. Elle m'engueule, hein. Non, mais c'est sa réponse. La production, hein. Voilà. Vous terminez, vous continuez. Le mieux vivre ensemble, ouais. Encore, voilà. Ça, c'est intéressant. Prochaine fois, je prépare un PowerPoint sur le taux de création de richesses par habitant dans le secteur privé. Nous sommes le premier avant Grenoble et Toulouse. Proportion de demandeurs d'emploi de longue durée, mais bon, on avance. Voilà le plus intéressant. Qui répond à votre question. Merci, Julie, de m'avoir fait un reproche. Jeunes ayant moins de 20 ans, nous sommes à 28 contre 24, dans l'échantillon des 200 villes et communautés. Mais ce qui est intéressant, c'est les actifs âgés de 15 à 65 ans. La France est à 61% seulement. Et les critères de Lisbonne disaient qu'il fallait atteindre 72 à 75%. Nous sommes à 14% de plus de taux d'activité. Ça, c'est l'élément fondamental dans une société. Les actifs, les foyers bénéficiaires des allocations RMI, allocations handicapées adultes et API, 28% des foyers en France. Nous sommes à 12%. Donc, nous coûtons beaucoup moins cher.
parce que nous avons beaucoup plus d'activités d'emploi. Et donc, finalement, foyers allocataires au logement, nous sommes que 39% dans un bassin ouvrier, contre une moyenne en France de 59%. Donc, je reviens à votre question, c'est là l'élément fondamental. C'est créer de la richesse, revenir à la réindustrialisation du pays. Sinon, on aura du mal à s'en sortir. Mais vous voyez que des territoires, je pourrais vous mettre la Vendée et d'autres territoires, ils ont réussi en eux-mêmes, sans rien attendre de l'État, à créer une dynamique économique. Ça veut dire qu'on peut être optimiste et on peut réussir, à condition de répéter que les clés de l'avenir, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question ? Je voulais poser la question. Il y a deux questions. Mais la prochaine fois, je prépare un petit truc sur Saint-Raphaël. Hein ? On va pas rester là. Hein ? Il aura du mal à battre à Vitré. Hein. Jacques Fraisse, ancien chef d'entreprise. Il a venir à Saint-Raphaël. Il y a trois questions et on les regroupe. Jacques Fraisse, ancien chef d'entreprise. Vous avez souligné, les deux intervenants, à mon sens, à juste titre, la nécessité d'apaisement et du long terme. Or, ne pensez-vous pas que le quinquennat a été néfaste, justement, pour accélérer, donner cette espèce de frémissement et cette espèce d'inflation de décisions à court terme, où chacun y va de sa petite initiative, et qui ne permet pas aux chefs d'entreprise d'avoir une vision suffisamment apaisée et à long terme? Merci de me répondre. Ici. Je crois qu'il y a une question à côté voilà. De vous, juste à votre gauche. Ouo Stéphane, médecin libéral, vous nous avez dit que les hommes politiques de niveau national devraient dire la vérité sur l'état actuel de la France. Parlons de la sécurité sociale et de son avenir. C'est un système qui est à bout de souffle, tout le monde le sait. C'est un système typique à la France, on va dire, qui profite beaucoup à l'individu, mais qui, de manière collective, n'est pas rentable. Si c'est le meilleur système, si c'était vraiment le meilleur système économique, tout le monde l'aurait copié dans le monde, et que notre médecine est très particulière et est une médecine de proximité qui n'existe pratiquement dans aucun pays du monde. Alors, quels sont, donc, ce système est à bout de souffle, on le sait, quelles sont vos solutions? Par quoi ça va être pris? Est-ce que ça va être privatisé dans l'avenir? Est-ce que c'est votre programme, vos réflexions? Est-ce que vous pouvez nous donner les mesures que l'Allemagne compte prendre pour faire face à ces dépenses croissantes de santé avec le vieillissement de sa population? Parce que tout le monde prend en exemple l'Allemagne, mais on oublie que dans les 20 ans, ils auront énormément de dépenses de santé quant au vieillissement de leur population. Quelles sont leurs méthodes pour y faire face? Et autre chose, vu la désinformation médiatique actuelle qui nous lave un petit peu le cerveau et qui débouche sur des maladies comme la névrose médiatique, comme on l'appelle actuellement, on parle souvent des médecins et on dit les syndicats des médecins. En fait, les médecins sont très peu syndiqués parce que malheureusement, ils n'ont pas le temps de se déplacer à des réunions par rapport à leur travail et que uniquement 7% des médecins sont représentés. Donc, pourquoi ne pas leur demander leur avis aux professionnels de terrain? Parce qu'ils ont beaucoup de solutions à proposer, des petites économies, comme vous dites, des petites économies sur des boîtes de Doliprane qui feraient des millions d'euros d'économies au niveau national. Voilà, merci. La dernière, peut-être, à votre gauche. Bonsoir, messieurs. Vous nous avez dit que le déficit ne cessait de s'accroître depuis 40 ans. Alors, est-ce que l'État actuel est sombré dans un fatalisme alibi pour ne rien entreprendre et surtout pour éviter de remettre en cause le modèle social? Et deuxièmement, ne sommes-nous pas actuellement, toujours avec l'État actuel, d'une sorte, je ne dirais pas de pessimisme, mais d'optimisme mesuré, c'est-à-dire d'optimisme comparatif. C'est-à-dire qu'on va se comparer aux mauvais élèves de l'Europe, vous avez cité la Grèce, il y a l'Espagne et d'autres élèves, pour éviter de viser l'excellence. Peut-être 1 million de jeunes de moins de 40 ans sont partis s'installer au Canada, en Angleterre ou en Australie. C'est une véritable hécatombe. Comment pouvez-vous
envisager un tel arrêt. Bonsoir, Emmanuel Radet, chef d'entreprise dans la communication numérique. Les anglo-saxons, en fait, ont un petit jeu de mots pour nous qualifier qui est French, like the wine and wine, qu'on aime le vin et se plaindre. Ne pensez-vous pas qu'au bout de toutes ces années où, en fait, on n'a pas voulu reprendre un peu tous les acquis, les reconsidérer, les remanier, etc., on n'a pas au bout du compte la France qu'on mérite ? Je préférerais qu'elle soit autrement. Oui, sur la première question. Ah non, il y en a encore une autre là-bas. Oui, Marie-Pierre Prado, avocat. Vous nous avez indiqué qu'un État pouvait continuer à vivre pendant un certain temps dans l'endettement, voire en augmentant son endettement, dès lors que les prêteurs continuent à faire confiance aux États qui empruntent. Et je pense que cette confiance, elle tient également aux notations qui sont faites des États. Et étant donné qu'on travaille sur l'optimisme et que l'une des citations qui a été donnée est de savoir qu'un optimiste est celui qui recherche l'opportunité dans la difficulté, je cherche l'opportunité dans la difficulté sur la notation des États. Et je me demande si cette opportunité n'est pas de s'interroger sur la profession même des agences de notation, qui, sauf erreur de ma part, n'est pas une profession réglementée, puisqu'on parle aussi, on est dans l'actualité des professions réglementées, et qui n'est donc pas une profession indépendante. Et donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser de ce côté-là pour s'interroger sur l'indépendance avec laquelle les États sont notés, et donc sur la façon dont les États sont considérés par leurs prêteurs. Je réponds très, très rapidement là à votre question. Puisque, on est dans cette situation paradoxale que, actuellement, quand une agence de notation dégrade un pays, ça a été le cas avec les États-Unis, ça a été le cas avec la France, il emprunte pour encore moins cher. En disant ça, je veux dire qu'il y a trois agences de notation, hein, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Donc, c'est vrai, elles sont en situation d'oligopole. Mais en réalité, elles arrivent un peu comme les carabiniers après les événements. Et ce qui se passe d'abord, c'est des modifications de comportement sur les marchés des prêteurs. Et c'est dans un deuxième temps que les agences, voyant ces phénomènes, vont prendre des décisions. Alors, on a essayé, face à ces trois agences, dont une est française, hein, d'ailleurs, Fitch, on a essayé de s'engager, il y a eu plusieurs projets, de créer une agence de notation européenne, et puis tout ça n'a pas abouti. Mais je voudrais quand même relativiser le rôle des agences. Par exemple, il y a 15 jours, le bruit courait que Moody's allait dégrader la France, mais dans tous les milieux, on disait, circuler, il n'y a rien à voir. Dégrader, ce n'est pas ça qui va modifier les conditions d'emprunt. Je prends la toute première question. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur, le fait d'avoir bloqué sur deux mois élection présidentielle, élection législative, d'avoir fait coïncider ça tous les cinq ans, a accentué la propension que décrivait tout à l'heure Pierre Meignery de notre pays à s'intéresser beaucoup plus au concept, à l'idéologie, qu'au fait. Et donc, dans un pays qui aurait besoin d'être plus pragmatique, d'être plus empirique, de regarder davantage les faits, l'hyperconcentration de la politique sur ce temps fort conduit à une exacerbation de l'idéologie pendant les campagnes électorales. Et comme nous n'avons pas le système américain d'un sas où vous gagnez l'élection, ça se passe au mois de novembre, mais vous ne prenez vos responsabilités que plusieurs mois après. Nous, c'est immédiatement. Alors, je suis conduit à observer
que les débuts d'alternance, c'est une véritable calamité. Ça a été une calamité en 2012. Bon, je ne parlerai pas des précédents, mais si on prend la législature quand même 2007-2012, la gestion est beau. Moi, j'étais rapporteur du budget, Pierre présidait la commission des affaires sociales, que deux fois on l'a dit, la gestion a été bien meilleure à partir du moment où la crise a frappé, de fin 2008, début 2009, alors que le tout début a été trop marqué par ce qui avait été promis ou exprimé dans le feu, dans la passion de grands meetings électoraux. On n'a pas le temps, mais on a eu beaucoup de contacts, Pierre et moi, parce qu'on s'est beaucoup engagé pour essayer de dire à Nicolas Sarkozy de prendre un peu de recul par rapport à tous ces grands meetings où on promettait le bouclier fiscal, l'exonération totale des successions, toutes sortes de choses, de prendre un peu de recul, d'attendre une loi de finance, la loi de finances suivante. Bon, il n'y a pas eu moyen, et l'expérience a montré que ces débuts de législature sont mauvais. Il s'est passé, ça a été bien pire en 2012. Bon, en 2012, on avait à la commission des finances François Hollande, Michel Sapin, Pierre Moscovici, et je les ai vus un par un pendant l'année 2011 pour bien leur dire nos finances sont en grande difficulté, leur dire la vérité sur la situation. Donc en petit comité, bon, seul à seul, ils disaient oui, tu as raison, c'est vraiment, on a bien conscience de ça. Eh bien, du fait que pendant la campagne, ils ont inventé, par exemple, sur un coin de table, les 75%, ça a été inventé sur un coin de table pour gagner des voix. L'ennemi, c'est la finance, c'était le discours du Bourget. Et tout ça est appliqué presque à la lettre dans les premières semaines. Et ça conduit à des décisions qui plantent le pays pour plusieurs années. Donc, moi, j'en viens à me demander si la bonne formule, ce serait pas un septennat qui soit un peu distinct, qui donne plus de durée par rapport à cette séquence tous les 5 ans marquée par des campagnes électorales où, il faut le dire, parfois on raconte n'importe quoi. Pierre, il y a beaucoup de... Bon, il y a une question extrêmement difficile de monsieur médecin sur l'avenir de notre système de santé. Mais comme Pierre Meignery a été président de la commission des affaires sociales pendant 5 ans, je reviens du fait de la difficulté sociale. Sur 5-7 ans, c'est difficile parce que 7 ans, à chaque fois, il y a 2 ans de cohabitation. Et c'est ce qui a expliqué le retour à 5 ans. Sur l'adaptation de notre modèle social, c'est vital. Nous dépensons 4 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays, c'est-à-dire 80 milliards. Alors, c'est une série de touches. Ça va des intermittents du spectacle jusqu'à la réforme des indemnités de chômage pour réinciter au travail. Ça va aussi sur le fait que lorsqu'on regarde les allocations handicapées adultes, ça varie selon les départements plus ou moins laxistes de 1 à 5. Les dépenses de vieillesse, une fois corrigées l'effet, les dépenses de santé, une fois corrigées l'effet vieillissement, vieillesse, varient de moins à plus 15%. De moins 15 à plus 15. Ça veut dire, à mon avis, qu'il faudra aller vers une dotation régionale et puis à l'intérieur de la dotation, travailler. Je ne vois pas d'autres solutions. Et responsabilité individuelle. La généralisation du tiers payant, pour moi, c'est une erreur absolue. Absolue. C'est criminel, cette affaire. Le jour de carence, c'est pareil. Le jour de carence dans l'hôpital avait amélioré le fonctionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, le jour de carence, c'est souvent le lundi ou le vendredi. Donc, c'est des choses qui ne peuvent plus durer. Moi, je discutais avec un procureur général. Il me dit, monsieur Meignery, la justice, je ne peux plus la gérer. Toutes les 6 semaines, j'ai 50% du personnel qui part. Il y a des secteurs qui ne sont pas à 1607 heures, mais à 1480 heures. Donc, c'est toute une série de décisions. Alors la question, la vraie question politique, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Faut-il le faire en 3 mois par des ordonnances ? C'est réglé. Il y a 7 ou 8 mesures. Ou faut-il progressivement, par la concertation, l'étaler sur 5 ans ? Mais si on ne maîtrise pas l'évolution des dépenses sociales,
puis je pourrais en citer d'autres, on ne s'en sortira pas. Alors, qui peut le faire dans les meilleures conditions? En tous les cas, si on ne le fait pas, on va vers le déclin. Quant aux 20% de jeunes ou 2 millions de jeunes, moi, je dis la plus terrible des situations pour un pays qui a beaucoup d'atouts, c'est de voir les jeunes partir à 20 ans pour trouver du travail ailleurs, ceux à 40 ans pour payer moins d'impôts sur le revenu, et ceux de plus de 60 ans pour ne pas payer l'ISF. À ce moment-là, qui restera? Et là, franchement, il y a un vrai problème de destin du pays. Simplement, moi, ce que nous voulions dire, c'est vraiment qu'il ne faut pas désespérer. On a tous les atouts, mais il faudra une sacrée pédagogie. Et moi, j'ai dit tout à l'heure qu'à partir du mois de décembre, au moins en Bretagne, mais vous allez nous suivre, nous sommes... Les Bretons sont toujours en avance. Je ne suis pas sûr. Ah ben, ils ont tenace. Et le meilleur moyen, c'est que le changement ne viendra pas d'en haut. Il viendra d'en bas. La révolution. Et ça veut dire ceci, que les citoyens, nous en Bretagne, on veut mettre à partir du mois de décembre des comités de réflexion sur le terrain. De telle façon que ce soit ces comités qui préparent et qui prennent en compte eux-mêmes les mesures qu'il faudrait pour sauver le pays. Je pense que ça peut aider. Et puis derrière, il y a une autre idée de choisir le meilleur candidat au présidentiel. C'est les deux objectifs à la fois. Merci. Allez, merci. Merci à chacun. Merci Pierre, merci Gilles. Voilà, donc vous l'avez compris. Pour réussir, il faut des hommes politiques qui aient de l'autorité et du courage, des acteurs et non des comédiens. Bonne soirée.